Aujourd'hui, je vais cartonner, mais il faut que je vous parle des trois choses qu'il faut faire avant de se lancer. Première chose, on taille bien son crayon pour qu'il soit bien pointu, pour qu'on ait des tracés bien fins. Et même si vous pouvez prendre un crayon H et pas un crayon B, vous aurez des tracés moins gras, plus fins. Si vous voulez pas utiliser un crayon à papier, vous utilisez un porte-mine du 05 ou du 07, c'est très bien. Deuxième chose, la lame de cutter. Si vous avez cartonné la veille ou l'avant-veille, votre lame, elle est forcément émoussée. Donc, on change la lame. Et ça, vraiment, c'est indispensable pour avoir, d'une part, des coupes bien propres, bien nettes, et surtout, pour pas vous fatiguer le poignet ni vos épaules. Donc voilà, c'est rien, ça prend 2 minutes, mais pensez à changer votre lame. Et puis la dernière chose, mais ça je l'avais décrit lors d'un précédent post, pensez à équerrer vos cartons avant de prendre vos mesures. C'est hyper important. Voilà, à bientôt.